Encore bonjour, bonsoir tout le monde. Nous retournons pour porter pour vous une nouvelle fois qu'a dominé actualité politique là. Déjà nous souhaitons bienvenue sur réseau Parola, gros réseau information hein. Sophia TV 83. Abonnez, partagez et puis commentez sur gros réseau Parola, réseau information hein. Sophia TV 83. La mort policier en dedans village de Dieu. Dossier ça secoue tout pays là. Toute couche dans société là. Lever campé, mettez voyou ensemble pour capable voyer un message by bandi qui kembe zab nan men yo kap mette population nan gros problème. Bonjour bonsoir tout moun, nous content entre la caillou. Yon l'autre fois encore toujours continuer à chercher information pour toujours kembe ou informé et n'a profiter remercier féliciter toutes amis qui abonné avec channel ça et n'a prend temps pour remercier ou parce que ou toujours rete connecté avec nous. Pour capable joindre toute nouvelle yo j'en tout dit là sans force côté sans voler monter nous pas éviter autant de sénateur Joseph Lambert qui fait gros déclaration et parler directement avec Iso barbecue toute base 400 marozo toute bandit avec tout monde qui avec toute couche sociale qui utilisait insécurité pour capable régler affaire sénateur a parlé en pile causé parler. Nous pas prendre temps en attendant comment sénateur lui-même il t'a adressé avec tout bandio dans pays a et spécialement avec bandi Iso et mandé dans 15 jours ça qu'a venir l'a mandé avec yo pour yo pas enregistrer yon cas kidnapping en dedans pays a ensemble nous faut c'est comme ça sénateur Joseph Lambert t'a parlé avec bandio en attendant pour plus de détails ça ou les gang ouais bien dit pour pas précaution avec moi. Ça aurait les gangs. Que aurait les ISO. Que aurait les X. Que aurait les Tissa. Gang Tissa vient. Que aurait les 400 Marozo. Nos partenaires étrangers se contentent de dire que c'est. Faut que arrêtez eux. Faut que arrêtez Jean. Cherizier. Jimmy Cherizier. Faut que traduit devant la justice pour crime que le fait sous la Saline, sous Bélé et autres, etc. Mais en nous clair, pendant la période ça, pendant que tout gagne là, mais pas jamais dit qui j'en a fait pour nous essayer bataille pour nous voir qui j'en ai essayé combattre gang ça. Qui est capable de faire pour aider nous éradiquer le gang ça? Vous contentez seulement pour vous condamner. Je ne suis pas capable de condamner. Ça pas suffit. Parce que je dis, pas oublier que nous sommes membres des Nations Unies. Ou bien vous voulez aider, ou vous aider véritablement en utilisant la manière forte, ou bien les dissuader pour qu'ils changent de comportement. Les deux tiennent. Mais le pays n'a pas qu'à continuer à vivre sous pression constante des gangs. Et il y a une bagarre qui marque moi. Moi, il m'a jeune petit garçon qui a été remetté les armes à la tête et a tiré là. C'était dans la même zone, ça, le village de Dieu. Et puis, moi, j'ai une image, ça, fils, ça, qui a crié avant eux, qui dit yo kidnappé, yo prend rançon, yo libéré. Yo voye la pour comme encore, li van chaud dire, li van tout bagaille, li pote rançon vini, yo pi tire Maria. Et puis l'image, les images les plus frappantes, les images de nos policiers. Uniforme non, moun yo. Mais quand même, on est des humains. Et c'est pour cette raison, je profite de cet espace pour me dire, monsieur, qu'il s'agisse de ISO, 5 secondes, et autres, etc., pour me dire, halte là. Je vais aller trop loin. Faut finir avec histoire ça. Pays n'est pas capable de tolérer ça encore. Il y a privé nos limites où nous allons franchir inacceptable. Il faut faire attention. Parce que nous ne pouvons pas continuer à terroriser une population de façon ça. Et c'est là que chaque Haïtien doit
prend conscience que faut qu'on parle ensemble avec tout le monde, faut qu'on parle avec catégorie moun sa yo, pour que au moins ou senti que en dan pays il y a des moun qui parlent l'autre langage et pas un langage vous êtes responsable ou vous n'êtes pas responsable. C'est le langage, nous sommes tous responsables de cette situation de misère ou bien d'insécurité, parce que on ne peut en aucune façon continuer à encourager des gens malhonnêtes à poser des actes malhonnêtes contre nos propres citoyens, nos propres frères et nos propres sœurs. Ils ont sans doute tendu là à parler. L'autre monde qui est dans une zone qui qu'on a fait l'obéir, qui a fait kidnapping, camper, faire moins que pendant 15 jours qu'a venir là, 20 jours qu'a venir là, nous pas attendre qu'on seul qu'a kidnapping. Policiers qui nous menoient, libérez policiers. Qu'est-ce que vous avez à foutre de garder un policier en voie de possession? Vous ne faites que qu'exacerber question. Libérez Ludor. Et puis, il faut que dans toute révolution qui fait, et pour nous arriver à ça que nous déclarons, retourner. By accalmie nécessaire à retourner la stabilité vraie dans le pays. Faut qu'on ait élan du cœur. Faut que nous arrivions dans un moment où nous dit, monsieur, on efface ta loi. On efface ta loi. On crée les conditions d'amnistie. Parce que si ils ont ça, c'est que jusqu'au moment où on a parlé là, il sera traduit en justice, il sera traqué par la police. Si Babel connaît que dans la situation, ça y est, là, il vaut mieux qu'elle mourra avec examen en main, au lieu qu'elle mourra sans âme. Dans cet accord, il faut prévoir une certaine forme d'amnistie. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je connais pas d'accord avec moi. Je vais dire, et ceux-là qui ont été des victimes, dans tous les pays du monde, on a connu des victimes. Mais on a connu aussi une certaine forme d'amnistie pour ramener l'ordre, la paix, la tranquillité et la stabilité tant rêvée par nos frères et sœurs haïtiens. Voilà l'essence de mon intervention de cet après-midi sous ce coup. Parce que paysan, ce n'est pas une question de pour ou contre. Je veux dire, même pour ou contre, pas de résultat. Personne n'a pas de résultat là, je veux dire. Président Préval, président Jovenel. Président Préval, vous connaissez que moi, mon empire, même côté. Président Jovenel, pas de résultat, côté de là, il n'y a pas de continuer de résultat si le pays est aussi instable dans le même. Et vous qui venir. Maintenant, c'est dans un mois. Maintenant, c'est dans deux mois. Maintenant, c'est le 7 février 2022. Est-ce qu'on pense que si depuis journée, je dis, pas créer conditions pour une vraie stabilité et paix dans le pays, ça est gouvernable toujours. Il n'est pas capable de gouverner. Qu'il s'agit du président Jovenel, ou bien qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, ou bien de groupe et autres, etc., quel que soit le nom qu'on gagne, ou pas capable de gouverner le pays, ça, sous pas mettre tout le monde ensemble. Et pour mettre tout le monde ensemble, il y a la forme, il y a la manière, et puis, il faut ramener la confiance. Pas de confiance dans personne, nous. Pas une confiance en personne. L'opposition a peur, n'a pas confiance au président Jovenel. Tout comme le président Jovenel n'a pas confiance. Mais m'a dit, ce n'est pas le président Jovenel seulement qui n'a pas confiance en l'opposition ou bien l'opposition qui n'a pas confiance dans lui. C'est chaque haïtien qui garde l'autre dans qui n'a pas reconnaître lui. Ou bien qui s'est amené et puis pas de confiance dans lui. Si nous continuons à voir ça, monsieur, m'a dit, fourmi a pour nouvelle ban moi. Tant qu'avant avant elle a fourmi manqué pour nouvelle ban moi. Jean Mounio te dit dans sur réseaux sociaux. Mais dernier à la fois que moi vivre li. Ma konn ki jan m'a vivre li. Ma konn ki jan m'a vivre li. M'capable vivre li avec un balle dans tête. M'capable vivre li tout bonnement. Et puis pour moi et puis pour mourir tranquillement. Mais faut que nous offrir tête nous tout. Comme moun qui à un certain moment doit ouais que ah, ça pas qu'à continuer comme ça. Faut que nous fassions camper. Et pour nous repayer en l'autre gens, pour nous aller dans l'autre direction. Et pour nous gagner en l'autre discours. On a une image frappante avant hier sur les réseaux sociaux. Quand on voit trois élèves l'école, et son nom qui a été à Radio Caraïbe pour dire que son on scène n'a pas monté.
C'est pas un bon exemple, c'est pas un bon scène. Pourquoi apprendre aux gens à utiliser des jeunes, à utiliser des armes pour capable faire un message passer? Message de passer à son message de grandeur, un message d'amour, un message de l'amour pour patrie, un message à planter pied bois, bail tête ou notre occupation. Monsieur, les quartiers populaires, il faut les reconnaître. C'est des décennies de délaissement des quartiers populaires. Qui bon résultat ça là? Parce qu'il n'y a pas eu de politique publique en faveur de ces groupes. Mm-hmm. Il faut une vraie politique publique en faveur. Parce que pas j'aime mon plan, vraiment. Pas j'aime mon plan. Et c'est ça que nous trouvons dans une situation de dégénérescence totale. Mm-hmm. ISO, 5 secondes, halte là. N'est qu'à faire kidnapping. Campé, monsieur. Nous pas dans bonne direction. Barbecue, tu es le leader du groupe G9. Tu as souffert tant que moi-même de mentir que je fais sous vous. Mais campé. Mm-hmm.